Bonjour, je suis Antoine, je suis libraire BD à la librairie Le Divan, et aujourd'hui, je vais vous parler de Du ciel dans la tête. Il est fait par trois auteurs, Altarriba, Garcia Sanchez et Moral. Pour moi, c'est de loin le plus grand livre que j'ai lu de l'année 2024. C'est un sujet assez difficile, certes, mais c'est une manière d'écrire, une manière de dessiner, une manière de découper, que l'on ne voit que très rarement. C'est une histoire assez dure, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon. Il est né au Congo, d'abord il est esclave dans les mines de cobalt, et chapitre après chapitre, il va faire de nouvelles rencontres. Un peu à la manière d'un petit prince, chacune de ces rencontres va lui permettre de découvrir le monde, comprendre à quel point il est difficile. La différence, c'est que lorsque dans le livre de Saint-Exupéry, l'univers est très lumineux et très onirique, ici c'est un récit qui est à la fois très dur et très réel. À chaque chapitre, le jeune garçon va comprendre que ce monde n'est pas fait pour lui et que rien n'est fait pour l'aider. On le voit dans les dessins, on le voit dans le découpage, tout est fait pour nous immerger au plus profond dans son esprit. Chacun de ces chapitres est aussi une réflexion particulière sur son avenir, sur son présent ou sur son passé.